Ah, yes, un petit gland. Voilà les amis, c'est Reizan. Et bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Donc ouais, il y avait bien un petit coffre. Cool. C'était là où il y avait de la glace. Oh, des bonnes flèches explosives. C'est intéressant ça. Et avec ça... Si 10 flèches explosives, elles se transforment en 30 flèches explosives les amis. C'est pas mal, c'est pas moche du tout. Alors je vais garder Stark. Et s'il y a besoin de ça, et de ça, je change. Puis nous les amis, on va aller dans la prochaine zone. J'ai fait les arbres et tout, il y avait 2-3 glands maximum. J'étais pas ouf. Hein. Top. C'est parti. Peut-être la fin du froid, ou peut-être un boss encore, je sais pas. Ou peut-être la fameuse zone de confort. Oui, zone de confort les amis. C'est quoi, c'est 18? C'est ça? Je sais même plus. Étage 18, mais oui. Tous les 6 étages, boum. On a un bonus d'attaque, on pourrait s'en servir et tout, mais dans 20 secondes, il part. Comme je l'ai dit avant, c'est pas important. On va se faire plaisir, on va prendre le temps surtout. J'aime bien prendre le temps. Après, si je vois que le truc extrême, c'est mission impossible et tout, là, je jouerais sérieux et tout, je prendrais des buffs d'attaque dès la moelleté. Mais pour l'instant, je vais être tranquille. Je fais de mon mieux, mais... pas en mode super sérieux. Il y avait des fées? Oh, je sais pas s'il y avait des fées. J'espère pas. Hein. S'il y avait des fées, je fais une grosse boulette. Ouh! La technique du rail marche, les amis! Je vous explique. Vous êtes en zone difficile, extrême même. Pour affronter des ennemis coriaces dans... ça. Bah moi, je vous conseille... prenez 3 fées, je ne sais pas où. Vous les mettez dans vos pattes. Et zone de confort, 3 autres fées apparaissent. C'est la fameuse stratégie que je vous ai montrée une fois pour avoir plus de fées. C'est une vidéo. Tuto. Et grâce à ça, au lieu d'avoir 3 fées, on a 6 fées les amis. On est plus que bien là, c'est ouf. C'est... on a abusé même. Et ce poisson là, il me fait envie. Des perches max, mais oui les amis. Non mais là... qui c'est qui craint personne, c'est Ray. On est invincible, presque. Pas totalement, hein, je vous cache pas. Mais on n'est pas mauvais du tout. On est même bien là, côté loot. Franchement, ils sont plutôt généreux. Oh, et avec ça, ouais. C'est bon, là. Et encore, il y a des coffres. Je sais pas ce qu'ils vont m'offrir, mais... juste ça, là, je suis refait, hein. Petite routine, je check ça aussi. Non, y'a rien. Poup. Je crois que c'est bon. On va checker les coffres. Et après, on va se faire un petit moment cuisine. Aïe. C'est pas grave. Arc royal. Ouais, ouais, ouais. Y'a quoi d'autre? Un bouclier royal. Ouais, pourquoi pas. Les boucliers, c'est pas le plus utile pour moi, mais ça peut aider. Épée royale, oui, ça c'est bien. C'est une bonne attaque, rapide, bien tranchante. Alors, bouclier royal, ouais. Arc royal, ok. Vas-y, tu vas garder ça, sur toi. Ça, je peux jeter. Ça, je peux jeter. Ça, je peux jeter. Et... là, on est potable. Je prends ça. J'aime bien. Et on va cuisiner un peu les amis, et là vous allez voir à quel point c'est abusé. Je vais quand même me ravigner, au cas où, hein, sinon je les oublie. Alors qu'est-ce qu'on a grosso modo? 6 fées, 3 perches max. Déjà là on est super bon avec ça. Regarde, vous en mettez une là-dedans, qui est pas ça. C'est un ray heureux. Récupération totale, 2 cœurs maximum supplémentaires. Parfait. Et quand vous en avez 3 comme ça, c'est magnifique. Et encore, j'avais déjà des plats à récupération totale. Par contre, l'épreuve, elle peut durer longtemps, faut faire gaffe.
Faut pas que je meure en fait, parce que sinon il y a un risque que tout ça là, ce qu'on a fait, je dois recommencer. Ça me peinera un petit peu, je vous cache pas. Un petit peu. Alors, déjà, admirez ça. Tadam. Alors, ce qui nous manque, c'est des buffs d'attaque, de défense. Parce qu'on les a utilisés pour le Linel, et franchement, ça a quand même bien aidé. Je vous cache pas. Surtout le buff d'attaque. On a sauvegardé toutes nos fées. Parce qu'un Linel comme ça, souvent, c'est un adversaire tellement coriace, même les golems de glace, de feu, tout ça. Il peut arriver qu'on perde une ou deux fées là-dessus. Peut-être même plus sur le Linel. C'était vraiment celui qui m'a donné le plus de mal. Encore, il m'a touché que deux fois. Mais je sais que quand vous avez du mal avec les patterns de Linel, bah... c'est vachement délicat. Côté bouffe, par contre. Vu qu'on n'a pas été trop gourmand, finalement. On a... 3... 6 récupérations totales. Tous mes cœurs, je peux les récupérer... boum, comme ça. Ça, je vais manger en passant. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais bon, je m'attends à affronter des trucs costauds. Et on a 6 fées, quand même. Je peux mourir 6 fois, en fait. C'est beaucoup. Mais ça, c'est parce qu'on avait... on n'a pas perdu de fées en chemin. À mon avis, ils ont prévu le coup pour qu'on en perde... peut-être quelques-unes pour la plupart des joueurs. Et on a la petite stratégie pour avoir plus de fées. Qui est vachement utile. Donc du coup, maximum 6 fées. Je suis super content. Alors là, je maximise la bouffe avec les chenilles de fruits. Un bon gros morceau de viande, comme je les aime. Super succès dès la moelleté, je crois. 6 quarts, c'est beaucoup. Oh, les bananas. Pas mal du tout ça. Excellent même. Alors, champi de girule. 4 bananas, est-ce que ça passe 4 bananas? Je crois que ça passe. On va essayer après. Trois d'attaque, 3 minutes 20, c'est parfait. Pour 4 bananas. Un truc de vitesse. Je vais le cuire. Il me servira de soin, ou si j'ai moyen de fuir peut-être. Enfin, besoin de fuir plutôt. Noix de coco et gland, vas-y. Chutney fruit encore. Ouais, un bon chutney. Champi vigueur, vachement cool. Vous le mettez solo. Regen stamina complète et un petit bonus, le bonus en jaune. Plus l'écart. Ça, je vais mettre les deux, allez. Généreux. Un gland. Un champi. Magnifique. Un gros succès. On a entendu le bruit. Un peu de défense. C'est pas la meilleure défense, mais je vais le mettre quand même. Un juste un. C'est un peu dommage. À mon avis, il fallait un peu plus pour avoir deux défenses. Ça, on va laisser comme ça. Puis là, je vous laisse admirer un peu. On a une page complète de bouffe. Plus ça. Un petit buff d'attaque super intéressant. Buff de défense moyen, mais mieux que rien. Pareil pour la vitesse. Beaucoup de régène de vie surtout. Et un peu de stamina. L'effet, c'est fou. Les boucliers, on est plus que bien. Ça, ça peut me servir d'attaque. Il me semble. Ouais, on va partir comme ça. C'est parti, les amis. Évidemment, on a un Gardos. Ok, je pensais pas aussi vite. Ah, plein. Plein de Gardos. De merdouille. Je vous aime pas, mais comme pas possible, là. C'est un peu embêtant. Je peux prendre le risque. Est-ce qu'on se prend le risque? On va se prendre le risque, les amis. Alors, malheureusement, la défense, voilà. Mais, choup. Ça fera le job.
Arcane. Sinon, j'ai ça aussi. J'ai des flèches arcaniques. Ils vont tous se réveiller en même temps, je le sens. Cette merde, ils veulent que j'aille au milieu. Ah non. Ça reste la légende du 1 à la fois. J'ai pas confiance, hein. On essaye, ça fait longtemps. Je prends le risque. Trop tôt. Faut me soigner. C'est les risques du métier. Mon bouclier a pété. Prends ça. Ah non. On mange dur, les amis. J'ai beaucoup de mal là. Je prends des risques, mais je suis pas obligé en vrai. Mais bon, faut raffiner mes skills un peu. Non, 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 quoi. Faut durement les raffiner. Bouclier garde royal. Heureusement, je tais-toi. Je vérifie que d'autres se réveillent pas. Trop tôt. Parfait. Je me mets ici. Que les autres sont réveillés, les amis. Chacun votre tour. Je me sers des armes pour me cacher. Correct. Le petit dernier, il est un peu loin, par contre. Timing sera différent. On va essayer quand même. Loupé, c'est pas grave. J'ai d'autres boucliers. Tant qu'ils servent. Nickel. Ok. Alors au début un peu de mal, mais c'est revenu. Correct. Ah, j'ai pas de loot à prendre, c'est vrai. Trop l'habitude. Ça se tient. Finalement, j'ai pas utilisé mes flèches arconiques. S'il y a un truc vilain derrière, y a pas de soucis, j'utiliserai ça. En gros, j'ai encore mon joker anti-gardien. Ce qui est plutôt cool. Et pour les trucs de vie, je vous remonte ce qui reste. Comme ça, je regarde aussi. 3 vies full. Ça fera le job. Si j'avais pas autant, j'aurais pris moins de risques, je pense. Je l'aurais fait en mode archer. Ouais, c'est sûr. Je l'aurais fait en mode archer. Pour être safe. Je suis pas mécontent. Et bon courage pour ceux qui vont faire cette salle. Non, si vous avez le bon timing, franchement, c'est largement faisable. Ah, cool. Ça remplacera mes autres boucliers qui sont passés à la casse. Alors, truc coupant que je peux utiliser. Ah bah ça finalement, c'est pas coupant mais c'est... Non, ça fait pas le job, je croyais. Ça par contre ça marche. Comme ça marche, ouais.
J'allais d'avoir des glands si jamais... Ça va bientôt casser, donc non. Voilà. Côté équipement, on est bon. Ouais. Oh, pour le fun. Toi. C'est parti, les amis. What, encore? Un cheval pour les diriger? Oh, oui. Oh, cette horreur! Gérerai. Le marron. Ça se tient. Alors, côté armes. Une dracobat, c'est pas moche. On manque un peu d'attaque. Je pense que je vais utiliser ça. Allez, Udada, on fonce. Allez. Mingo. Ah voilà, bien, là on parle. T'as un bon cheval, toi, copain. Il y en a d'autres. Ok. Bon, ouais. C'était plutôt fun. Bon, bah, les amis, nous, on va se laisser là. Oh, allez, pour les armes. J'ai un peu la flemme, on va pas les couper. Puis, prochain épisode, on va aller voir la suite. Je sais pas ce qui m'attend. Plus de gardiens, d'autres monstres, je sais pas. Attends, je vais me faire une petite balade à cheval, pépère et tout. Bon bah à plus les amis, ciao ciao, bye bye, ciao.